Welcome guys! Pas fait l'intro depuis que j'ai commencé ce vlog, c'est terrible. Bon du coup cette semaine on se retrouve dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère qu'elle sera intéressante pour vous. Aujourd'hui du coup j'ai été faire les magasins avec ma copine Chloé, sa petite sœur. J'ai acheté ce magnifique petit haut chez Zara et un petit jean avec. Ouais bah c'est une bonne journée, après j'étais un peu fatiguée et je sais pas pourquoi ça m'énerve, genre en ce moment je suis tout le temps fatiguée pour rien. J'ai toujours pas fini le montage du vlog de la semaine dernière, va vraiment falloir que je m'y mette. J'espère que le vlog de la semaine dernière vous aura plu et que celui de cette semaine vous plaira aussi. Donc là du coup je vais me préparer parce que les filles viennent me chercher dans une demi-heure. On va aller boire un petit verre toutes les trois dans Cabourg. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu toutes les trois parce que c'est vrai qu'en ce moment je passe beaucoup de temps au travail ou à Blainville. Et donc là je suis contente de les voir. Bon du coup les filles vont venir me chercher. J'ai pris une petite veste de blazer pour au cas où si jamais il fait froid. J'ai pris mon petit sac noir en attendant de recevoir mon nouveau sac. Normalement il arrive mercredi je crois. Je vous le montrerai, c'est une petite marque que je connais pas du tout. Fun fact, j'ai vendu mon sac Zadig à une copine et du coup avec l'argent je m'en suis racheté un nouveau. Je voulais pas reprendre un Zadig parce que j'aime plus Zadig, franchement ça me saoule. Je trouve ça super cher pour la qualité et je voulais une marque pas trop connue forcément. J'ai trouvé la marque Isabelle Bernard, voilà je vous montrerai. Bon là je suis en retard, j'ai rejoint mes copines. Un jour nous qui te harcèle, pense pour moi, emmène-moi où tu vas. Je moque trop de moi. Bon, du coup là les gars j'ai fini le travail. Je vais rejoindre mon copain. On va aller récupérer 2-3 affaires chez mes parents. Et après on rentre à Blainville. On va sûrement à la piscine parce que regardez ce beau soleil en Normandie. Du coup aujourd'hui on était mardi 15 août et goûté au travail. On n'a pas eu énormément de monde du coup on va trop bosser. Bon les gars on vient de rentrer là à l'appart. J'ai chaud, je suis rouge de partout. Il faisait trop chaud dans la voiture, on n'a plus de clim. Là du coup on se met en maillot de bain et on va à la piscina. Bon les gars ce matin j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai beaucoup travaillé sur le montage du vlog. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de montage et vu que là cette année j'utilise un nouveau logiciel, bah ça prend un peu plus de temps. Donc là je suis dans ma voiture, je suis passée à Inter m'acheter un café latte chez Columbus. Ils sont grave sous-codés mais je vous jure qu'ils sont trop bons. Je trouve qu'ils sont grave meilleurs que les Starbucks, ce n'est que mon avis. Bientôt fini le montage, il me reste juste à rajouter du texte et de la musique et après on sera bon. Ce soir je vais voir Barbie, oh là là. La mission qu'on a à faire après le travail, c'est aller chez un opticien. J'ai eu en héritage des lunettes Dior d'abord ma mamie. En vrai, elles sont stylées. Elles font un peu vintage. J'aime beaucoup. Pas du style à m'habiller vintage, mais là, vous voyez, genre ça va trop bien avec mon haut. Et du coup, elles sont superbes, mais il faut juste que je change les verres parce qu'il y a la vue de ma grand-mère dessus. Et autant vous dire qu'on n'a pas la même. Hier, avec mon copain, on n'a pas fait grand-chose parce que franchement, on était un peu crevés tous les deux, je crois. On a vraiment mangé et après, on a regardé notre série. On regarde le bazar de la charité, moi je l'ai déjà vu cette série mais j'aime beaucoup. Mon copain l'avait jamais vu et au final il a grave aimé parce qu'il y a beaucoup d'action, du coup il aime bien. J'ai un peu réfléchi ce matin à comment rendre mes vlogs peut-être un peu plus attractifs. En fait j'avoue que la semaine dernière déjà j'ai pas filmé toute la semaine. Et en plus de pas avoir filmé toute la semaine, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Bon, le but d'un vlog c'est que ce soit quand même un minimum intéressant. Je sais que pour l'instant c'est pas hyper intéressant parce que je travaille déjà donc ça limite aussi. Et à partir de la semaine prochaine je ne travaille pas, on essaiera de faire des trucs un peu plus sympas. En tout cas moi je suis trop contente d'avoir repris les vlogs, ça me manquait mais vraiment. Une de mes peurs en faisant des vlogs c'était que je rencontre quelqu'un qui ne supporte pas en fait que je fasse des vlogs parce que bah on montre quand même notre vie. Copain, il valide de ouf, enfin je crois. Un de mes vlogs dans son camion, moi ça me va. Au boulot, j'ai pas 13 ans, j'ai dû la lèvre avant d'aller travailler. Bon j'ai fini le travail, je vais aller faire le devis pour changer les verres de mes lunettes. Après je vais aller voir ma grand-mère. Bon les gars, je viens de rentrer chez mes parents et j'ai reçu mon nouveau sac, il est vraiment trop beau, je vais vous le montrer. Du coup voilà, c'est un Isabelle Bernard, je connaissais pas du tout. C'est une fille qui est venue au bar qui m'a donné cette marque et franchement il est hyper pratique et super beau. Il y a deux compartiments à l'intérieur. Je sais pas si on voit très bien mais il y a une pochette qui sépare pour faire deux compartiments à l'intérieur. La chaîne elle est super longue, elle est dorée comme ça. Et... non mais sérieux.
Bonjour, bonjour. Les gars, faut qu'on débriefe Barbie ensemble. Ce matin, j'ai pas fait grand chose à part prendre ma douche, c'est pour ça que j'attaque direct. Hier soir, j'ai été voir Barbie et écoutez, j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait des petits moments où je trouvais ça un peu ridicule, genre quand les Ken se battent. J'ai beaucoup aimé le message qu'il y avait derrière le film en fait. Mais sinon, les deux, je trouve vraiment super. Margot Robbie, elle est incroyablement belle. Bon, du coup, ce matin, j'ai fini le montage. Mon copain est parti travailler à 4h du matin et j'ai pas réussi à m'endormir. Du coup, j'ai fini le montage vers 5-6h et j'ai mis la vidéo en ligne ce matin. Là, le premier random vlog est en ligne et je suis contente. J'ai des copines qui ont commencé à le regarder ce matin. Aujourd'hui, je fais 11h30-18h30. C'est une journée un peu longue et demain sera pareil. Mais c'est pas grave. J'ai pris mon petit-déj, mais je suis descendue en bas. J'ai un peu sous-estimé la chaleur d'aujourd'hui. Il fait déjà 28 degrés, il est 11h. Sauf que moi, je passe ma journée dehors. Et mourir de chaud, faut vraiment que je trouve une tenue adéquate. Bon, j'ai du mal à me décider pour la tenue, mais au final, je suis partie sur une robe verte. J'ai pas très envie de me prendre la tête, juste pas mourir de chaud. Je vais me sécher un petit peu les cheveux et après, on va chercher mes lunettes. Bon, finalement, j'aime bien la robe quand même. Donc là, j'ai chez l'opticien. Si j'ai le temps, je vais retirer de l'argent. Et avant ça, il faut que j'achète de la crème solaire. Parce que je n'en ai plus. Je n'en ai plus à Blainville, je n'en ai plus ici. Il me faut de l'indice UV 50 pour mes tatouages. J'ai mis de l'indice UV 30 sur les tatouages que j'ai sur les bras. Mais j'en ai pas mis à celui que j'ai sur la cheville. Il va être un peu exposé au soleil toute la journée, donc je vais aller acheter de la crème solaire. Je viens d'entrer à Blainville, là je viens d'arriver. J'ai chaud, la météo est tellement chaud. Et ouais, là je suis toute rouge. J'ai fini le travail, il me reste plus que deux jours. Dans le cinéma qui a pris feu et qui a fait exploser le bombe de l'éther. Ce soir, d'où ça? Ça sort que c'est mademoiselle qui me l'a dit. Non, c'est toi la star. Pas le gros fiac de ton daron. Non, non, non. Bonjour. Voilà, il est 10h30 à peu près. Je suis en train de partir de l'appart. Maintenant, je me suis fait un petit café. Je suis bien équipée là. Bon, du coup, là, je vais passer chez mon papa parce que j'ai de la nourriture à lui déposer. Et je peux pas me garer devant mon travail parce que le parking est fermé, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais me garer chez moi vu que j'habite pas très loin. Et puis voilà. Ce matin, je suis partie assez vite de l'appart parce que j'avais peur que le pont de Bénouville soit fermé. Quand il est fermé, il y en a pour 20 minutes de route en plus. Et bon, j'étais déjà à moitié en retard ce matin. C'est la dernière journée où on fait le service du midi parce que le samedi, on le fait pas. En vrai, je suis un peu contente de finir, mais en même temps, ça me rend triste. Ça commence à m'embêter parce que je pars en Tunisie dans 2 semaines et demie et j'ai toujours pas reçu mon passeport. En fait, j'ai eu mon passeport mi-juillet en ne sachant pas que je partais en Tunisie. Donc, j'ai pas demandé à ce qu'il soit fait en urgence, tout ça, parce que bah... Moi, en soi, je l'ai fait juste pour partir à Londres en octobre. Sauf que du coup, entre-temps, je pars en Tunisie. Je n'ai pas le passeport. J'ai essayé d'appeler la préfecture, la mairie. Bon, pas de nouvelles. Après, je m'inquiète pas trop. Je me dis qu'il me reste encore 2 semaines et demie. Que mon passeport est en cours de production. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'être fabriqué. Bon, j'ai fini de me maquiller, là. Il fait encore super chaud. Bon, je vais pas m'en plaindre, j'ai besoin de chaleur, j'ai surtout besoin d'un indice UV. J'ai pas pris de veste, j'espère que ça va aller. J'ai pris d'élastique non plus, donc j'espère que je vais pas avoir trop chaud. J'ai pris mon petit mug Starbucks, d'autant j'ai mis le café que j'ai fait à Blainville. Vu que j'ai déménagé ma cafetière à Blainville, bah, je peux plus m'en faire quand je suis à Dives. Moi je suis un peu une relou, je bois que les cafés de chez Nespresso. Bon les gars, j'ai fini le travail, vraiment là je transpire de partout. J'ai changé de tenue depuis ce midi parce que du coup j'avais tellement chaud. Ma maman m'a descendu une robe. Franchement, j'avais vraiment trop chaud, c'était abusé. Bon, les gars, il faut que dans 5 minutes je sois au boulot. J'ai rajouté un petit trait de liner rose, je sais pas si ça se voit. Dernier jour de travail. Et si je suis à la bourse, c'est vraiment la honte. Du coup, les gars, là, on est chez mes grands-parents. On est en train de faire un petit repas de famille. Bon les gars, ce matin on a fait un petit brunch avec la famille de mon copain. Aller à un marché dans Cabourg. Après, je pense qu'on va passer un peu l'après-midi avec nos familles respectives. Ce soir, on remontera sur Blainville et je pense qu'on va aller faire un petit plongeon dans la piscine. Ah,
Les gars, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou liker la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou TikTok. C'est les autres réseaux où je suis la plus active. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Peace, guys!